mokolo. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Okaka yendi mutazamo konzi ntango opia vitango nyoso. Aujourd'hui on va parler de quelque chose et après on va prier. Et le tokolo bepona eloko moko na simana ngoto kobondela. Nous sommes dans notre temps de jeûne et prière. Et je veux que nous puissions parler de jeûne et prière. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas jeûner et prier. Or, les jeûnes, c'est bien même pour le corps. Et si nous parcourons la Bible, nous verrons qu'il y a beaucoup de gens que Dieu utilisait beaucoup. C'était des gens qui jeûnaient et priaient. Jésus lui-même va dire, il y a d'autres démons qui sortent par des jeûnes et prières. Ça veut dire que nous avons aussi besoin de jeûner et de prier. Parce qu'il y a d'autres esprits qui résistent quand nous prions. Mais quand nous sortons dans les jeunes et prières, nous avons la puissance et la capacité de chasser même les esprits qui résistent. C'est pourquoi frère et sœur demande à Dieu de te soutenir pour que tu puisses jeûner et prier. Et quand nous voyons des religions monothéistes, monothéiste qui prie un dieu, soi-disant, il monothéiste, vrai qu'eux aussi ils font des jeûnes. Nos amis de l'autre côté, qu'on appelle des bandits, eux aussi font des jeûnes. Même des magiciens, ils font des jeûnes. Mais tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions comprendre cela. Et quand je lis ma Bible, je vois qu'Abraham ne gênait pas. Adam ne gênait pas. Eve aussi ne gênait pas. Donc avant Moïse, il n'y avait pas de jeûne. Mais il y avait un jour, je peux lire ça dans le livre d'Exode, 34. Somme debout, s'il vous plaît, pour lire la première partie. Oui. Je t'ai mis pour la première, mais je vais lire ça rapidement. Exode 34, 1, nous sommes là. Amen. On est là. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, taille des tables de pierre comme les premiers. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de mon heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Dieu va dire à Moïse de monter sur la montagne. Amen. Amen. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla des tables de pierre comme les premiers. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là, auprès de lui, et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants, des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Amen. Amen. Maintenant, je prends verset 28. 28. On va lire tous. 1, 2, 3. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. D'abord, je vais définir les jeûnes, c'est quoi? Les jeûnes, c'est l'abstinence d'aliments. Accompagné généralement des prières. Bon, l'humiliation,
et des privations de toutes choses nécessaires et utiles. Donc les jeunes, c'est s'abstenir de la nourriture, mais c'est pas seulement ça, mais c'est accompagné avec la prière. Les jeunes, c'était un temps d'humiliation, un temps de privation. Donc nous voyons que quand Dieu a dit à Moïse de monter à la montagne, à la montagne, Moïse ne mangeait pas parce que là, il n'y avait pas de restaurant. Moïse était monté pour qu'il puisse parler avec le Seigneur. Et la Bible dit que Moïse va rester là à la montagne 40 jours et 40 nuits. Parce qu'il 40. Avait besoin de parler avec Dieu. Il avait besoin de voir la gloire de Dieu. Mais on a vu que Dieu va passer. Et Dieu va lui donner les petits commandements. Alléluia. Amen. Donc, il fallait que Moïse puisse jeûner et prier. Et bon, que Moïse akila, abondela, pour que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Pour que Dieu puisse lui communiquer. Pour que Dieu puisse lui la parole aux enfants d'Israël. Pour la balle à l'hypothèse d'Israël. Amen. Amen. Donc, quand nous aussi, enfants de Dieu, bon, autant, nous chaînons, nous prions. Tokila, kato, bon, nous montrons à Dieu. Que ce n'est nous, nous sommes venus nous humilier devant toi. Biso, toye, komi, kiti, sa, li, boson, nous sommes venus consacrer devant toi parce que nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin que tu puisses nous révéler des choses. Donc Moïse était la première personne qui a commencé à jeûner. Et il priait. Il était devant la face du Seigneur. Et on verra que il y a les jeunes dans l'ancienne alliance. Donc comment est-ce que Kila na koyoka na kala? Yo ici les jeunes dans la nouvelle alliance. Na kokila na koyoka na nasika. Dans l'ancienne alliance, les juifs avaient obligation de jeûner. Ba yuda bazaki ko pesa mandingisa ya kokila. Les jours de l'expiation. Mais kola na bango ya kopeto la. Vous lisez dans les livres de Lévitique 16. Ou kotanga ngona mo kana ya Lévitique 16. 29 et vous descendez. Nena 29 kino kita. Donc les jours de l'expiation, c'était les jours où le peuple venait avec les animaux. Et ça qui mokolo ba libote bande ko ya na ba nyama na bango. Et le souverain sacrificateur puisse amener les sons du peuple. Ba mema makile ya libota. Le sang des animaux que le peuple offrait. Makile oyo ya ba nyama oyo libote bande ko bonza. Et le sang de son propre animal qu'il offrait. Devant l'Éternel dans le lieu très saint. Et pas une encore la bisque bouillissante. Et ces jours-là, il gênait. Bon, mon colon va s'aller coquille. Parce que c'était un jour vraiment agréable. Oui, c'est là comme mon colon mouille qui tourne les bossons dans Zambie. Et à part ces jours d'expiation. Bon, le mot là, mon colon va aller à couper tout la main. Israël et les Juifs avaient aussi 4 jeûnes annuels. Israël et toi, Yuda va s'aller couper na. C'était le 4e mois. Le 5e mois. Le 7e mois. Le 10e mois. C'était pour se rappeler la prêche faite à Jérusalem. Ça c'est la première. On commence dans Jérémie 56. Et deuxièmement, c'était pour se souvenir de la destruction du temple. Comme le temple était détruit, donc, la temple, pantana, qui... il gênait pour se souvenir du temple qui était détruit. Qui la pour manuela, qui temple, le temple, qui... On va voir ça dans les livres de des rois 25. Alors, il gênait aussi pour la mémoire du meurtre de Gedalia. Qui était gouverneur. Quand les enfants d'Israël étaient esclaves à Babylone, c'est Nabucodonosor qui mettait de gouverneur pour gouverner. Et ce gouverneur était tué. Et les enfants d'Israël gênaient aussi pour commémorer le jour de sa mort. Bon, on va parler des Israélites qui passaient qui coquilla pour la cocagne ça. Comment y est là, mon conziwana? Vous pouvez voir ça dans Jérémie 41:1-4. Et il gênait aussi. C'est là qu'il se super coquilla pour commémorer les jours où Jérusalem était siégée. Pour la comagne là, mon colo. Oh, Jérusalem est bavandé là qui est mort.
Vous pouvez voir ça dans Jérémie 54. Et les enfants d'Israël observant aussi les jeunes. Se souvenir de la délivrance du peuple sous Esther. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Parce qu'en ce temps-là, il y avait Haman qui a voulu que le roi puisse tuer les Juifs. Maintenant, Haman était parti chez Esther pour qu'il puisse gêner, pour que le roi puisse être favorable aux Juifs. Bon, Haman est venu pour la commander les pains à Esther, babon de là-bas qui n'a pas na bayuda. Donc les enfants d'Israël aussi gênaient pour se souvenir de ces jours-là. Bon, Israël qui faisait coquille, pour la cocanissa, au colouan. Où le Seigneur avait épargné Israël. Oh, y a mon colo, Nzambe, à Kangolaki, à Bakelaki, bah, Israël. Et quand nous lisons aussi la Bible, nous verrons qu'il y a beaucoup de personnages bibliques qui gênaient aussi et priaient. Donc, comment on a été là, qui peut n'avoir que belé la carte de la Bible, faisait coquille, après qu'on bondait. Nous lisons Néhémie, gêné. Bon, t'as la Néhémie, pas avec coquille. Et nous voyons aussi Daniel a gêné pendant 21 jours. Daniel, père Kilaki. C'est pourquoi nous disons que les gènes de Daniel. Donc, on fait les jeûnes de 21 jours, on dit qu'on fait les jeûnes de Daniel. C'est parce que Daniel a jeûné 21 jours. On a aussi l'habitude de faire les jeûnes de 21 jours. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire un peu Zacharie. Je lis un peu Zacharie. Je lis un peu Zacharie 8. Zacharie 8, 19. Je lis rapidement Zacharie 8, 19. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les jeunes du 4 et moi, les 4 jeunes que je vous ai parlé, annuels. Ainsi parle l'Éternel des armées, les jeunes du 4 et moi. Les jeunes du 5e, les jeunes du 7e et les jeunes du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimer la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là, qui, hommes de toutes les langues des nations, saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec toi car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Donc les enfants d'Israël, quand ils chenaient, quand ils cherchaient la face de l'Éternel, Dieu était dans la joie. Quand nous chenons, quand nous cherchons la face de l'Éternel, Dieu voit que nous sommes des enfants obéissants. Parce que Dieu veut que ses enfants puissent aussi chêner et prier. Parce que la chair a ses caprices. Il y a des temps où il faut dire à la chair qu'il ne mangera pas parce que j'ai besoin d'être devant la face de mon Dieu pour chercher vraiment la réponse à mes problèmes. Et quand Dieu a vu cela, il a dit: comme mes enfants prient et jeûnent, alors je vais changer ces jours de jeûne. Parce que j'avais dit tantôt que le jeûne c'est un jour de privation, un jour d'humiliation. Mais Dieu a vu que les enfants nous avaient gênés. Il a dit: je vais changer ces jours de jeûne, de privation, en jour de fête.
Un jour de réjouissance. Vous savez, quand vous gênez, quand vous cherchez l'Éternel, premièrement, frères et sœurs, même si vous aviez des problèmes, même si vous aviez des difficultés, mais quand vous cherchez vraiment le Seigneur dans la profondeur, vous serez plus triste. Parce qu'en gênant en vous-même, vous aurez la conviction que le Seigneur a déjà exaucé votre prière. Je vais changer les jours de jeûne en jours de fête. Il a dit, quand vous jeûnez, vous allez influencer ou bien vous allez attirer d'autres nations à croire que vous avez un Dieu vivant. Et ces nations viendront pour servir votre Dieu. Nous voulons que les païens puissent être sauvés. Nous puissions chercher le Seigneur dans les jeunes et dans la prière. Vous savez qu'un homme qui jeûne, c'est un homme qui est puissant. Un homme qui jeûne, c'est un homme qui a l'onction de Dieu, qui attire même les païens à venir chercher le Seigneur que nous. Dieu dit, les nations vont accepter que vous avez un Dieu vivant. Beaucoup de gens s'attacheront à vous et ils diront que vous avez vraiment un Dieu. Vous savez, si nous voulons entrer et voir la gloire de Dieu, il faut que nous puissions énoncer, gêner et prier. Un homme qui ne jeûne pas ne sera pas puissant. Un homme qui ne jeûne pas sera influencé par le monde. Un homme qui ne jeûne pas ne sera pas fort pour rester dans la présence du Seigneur. La Bible dit que Moïse resta devant le Seigneur 40 jours. 40 nuits en jeûnant et en priant. Mais bien, la Bible dit que c'est moi, combien de fois on n'a pas même le temps de rester devant. Mais nous cherchons les miracles. Mais nous cherchons les mariages. Mais nous cherchons des guérisons. Mais nous cherchons que nous puissions être bénis. Quand nous cherchons le Seigneur, c'est à ce moment-là que le Seigneur va se révéler à nous. Si nous ne cherchons pas le Seigneur, le Seigneur ne va pas se révéler à nous. Vous savez, il y a prière et prière. Il y a d'autres prières quand tu entres avec le jeûne. Tu es en train de dire à Dieu d'agir pour ta situation. Mais je vais essayer un peu de dit comment nous gênons, il y a des fois. Parce qu'il y a des fois nous gênons mal. Vous savez, dans l'ancienne alliance, quand les gens gênaient, ils se couvraient des sacs. Ils prenaient les cendres. Et ils mettaient dans leur corps. Pour que tout le monde qui passait puisse voir que ces gens-là jeûnent. Mais ce n'est pas ainsi pour la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit quoi? Quand nous gênons, il faut que nous puissions nous laver, nous parfumer, que les autres ne puissent pas voir que nous sommes en train de gêner. Et quand nous gênons, nous ne publions pas à tout le monde que nous sommes en train de gêner. Mais Dieu qui est aux cieux, il voit que nous sommes en train de gêner. Et quand nous gênons, il y a des choses qui vont se déclencher. Amen. Amen. Mais il y a des fois, nous nous abstenons de la nourriture. Mais on n'a pas l'attitude de quelqu'un qui est dans les jeunes. C'est pourquoi il y a des fois nous gênons, mais nous ne voulons pas des résultats. Mais vous savez, il y a des fois quand nous gênons, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais c'est un peu la nuit de ça. Tu sais que les jeunes commencent à 6h jusqu'à 18h. Pendant 6h que nous avons 18h. Pour faire passer le temps. Pour la colère qui s'en entend. Tu sors les matins, tu commences à marcher dans des magasins. Ok, là, on est venu à Congo, on est venu au magasin, moi comme Soussou.
C'est pourquoi nous gênons, on l'a pas dit. Et à la fois nous gênons. Tout sont les faits. Hein. On vient à l'église par exemple. On a gêné. On vient à l'église. Oui, l'église. Les autres ne sont pas là. Et la prière va commencer à 18h. Bon, on a 18h. Tu connais la sœur, Émilie. Comment est-ce que vous avez vu? Vraiment. Il y a un problème. 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 Il y a amen, 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 amen. Tu commences. Après, merci moi. J'ai demandé, mais je ne vois pas les passages. Merci moi. Allons-y dans Ésaïe 58. Pourquoi il y a 4 dans Ésaïe 58? Ésaïe 58, verset 3. De gêner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. À vos penchants, c'est quoi? Vous gênez, tu entres dans le magasin, tu es en train de voir si c'est quoi pour faire passer le temps. Tu es dans les temps de jeûne, mais tu fais des choses qui ne plaisent pas même à Dieu. Mais tu es un jeune. Ça, c'est la grève de faim. Amen. Amen. Tu es un jeune. Tu es un jeune. Tu es un jeune. Et vous traitez durement tous les mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et pour vous quereller. Il y a beaucoup de gens dans les jeunes là. Ils ont la tête béni, la carte à coquille là. On est dans les temps de jeunes, non? Tu es un temps à coquille là. Mais va chez nous. Quel est l'endroit où tu es? Avec son mari, avec sa femme. Non, mon bali n'est pas moi, sinon. Il va dissiper, il dissipe. Ma copine, il s'en ouvre le soir. Il va dire à son mari. Ah, il s'en va. Attends un peu. Je n'en ai pas mon cœur. Parce que je suis en jeûne. Je vais à l'église. À quelle église? On va finir mon jeûne. Merci, ça va. Et quand je vais de toi, tu verras. Yo, mon. Alléluia. Amen. Il y avait un frère que j'ai suivi à la télé, sur Internet. Il y avait une sœur. Le professeur, il était sur un frère. C'était un prédicateur. Donc, il s'est repenté devant le Seigneur. Il était un frère aussi. Et il avait abordé une jeune sœur aussi. Il y a celui qui est à côté de toi, les jeunes qui te prend plaisir. Vous ne gênez pas comme le vin ces jours. Pour qu'il a fait le cola et l'ingi Nicolas. Donc les jours des jeunes. Et vous êtes Nicolas et Coquina.
Ce sont des jours spéciaux. Des jours de consécration à Dieu. Seigneur, maintenant, j'oublie d'autres choses. Je veux maintenant être avec toi. Je veux me consacrer avec toi. Je veux me priver d'autres choses. Que je puisse être en connexion avec toi. Il dit quoi? Vous ne gênez pas comme le veille ces jours. Pour que votre voix soit attendue en haut. Donc ça veut dire quand nous gênons et quand nous prions, nos voix sont attendues en haut. Il y a que nous prions, nous faisons sans gêne. Oui, c'est à aussi. Mais quand nous prions et nous gênons, cela nous pousse Dieu aussi à se manifester. Parce qu'il voit vraiment que nous sommes humiliés devant lui. Pour dire que Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Je me prive de la nourriture, Seigneur. Pour être devant toi. Pour chercher ta face. Et Dieu, quand on y voit cela, ta voix sera attendue en haut. Et cela. C'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Donc quand nous sommes en train de jeûner, nous humilions notre âme devant Dieu. Parce que dans l'âme, il y a les sentiments. Il y a les intentions. Il y a beaucoup de choses. Mais quand nous jeûnons, parce que l'homme a des caractères de comportement. Mais quand nous sommes dans l'état de jeûne, nous disons à Dieu, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je veux que tu puisses me façonner. Je veux que tu puisses me briser. Je veux que tu puisses me guiser. Je veux que tu puisses me conduire. Je me laisse à toi, Seigneur. Chanel, au ma commencé à diminuer. Et le désir spirituel va commencer à monter. Et tu ne vas pas comprendre, tu vas commencer à devenir spirituel. Ça comprend. Vous savez, les deux chrétiens, on cherche Dieu. On cherche Dieu dans les jeunes. Pour s'humilier devant les jeunes. C'est ça les jeunes que Dieu prend plaisir. Couvrez la tête avec un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Ici, on dit se coucher sur les sacs et les cendres parce que nous sommes dans la sienne. Awa balobi ete kongumba moto kola na sen na saki pena zelo puto sana oyoka na yakala. Donc cette partie c'est pas pour nous. Awa ete nyu eza pour na bisote. C'est pour les gens qui. Eza pour na batata makala. Un jour agréable à l'Éternel. Donc, quand tu es en train de gêner, Dieu voit que ces jours sont agréables. Quand nous gênons, ce sont des jours agréables à l'Éternel. Un jour agréable. Quand nous sommes en train de gêner, voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Quand la gêner, détache les chaînes de la méchanceté. Je sors, je prends 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est un jeune. Quand tu te prives, tu dis bon. Oh, j'ai des pains. Au lieu de manger tous les pains, je vais donner
un père à l'autre. C'est aussi un jeune. Mais les femmes nous chaînons. Si elle nous tire à la maison. Tire un jeune. Et tu reçois un visiteur. Tu lui donnes pas ça. Parce que tu sais que tu vas. Fini ton jeûne et tu vas manger. Oui, bien, non, quoi, c'était pour la recette, ça, quoi, qu'il a rien à voir. Là, tu fais un faux jeûne. Voilà, il y a ça, les bonbons, quoi, qu'il a payé à l'Okuta. Quand tu jeûnes, il faut partager aussi ton. Dans mon yokini, Kabola peut venir. Partage aussi, tu étais bien. Kabola peut venir, ils allaient bosser, n'a eu. Si tu vois un homme nu, sans qu'on m'en mette au bolon pour. Couvre-les. Zinga, il a bien la main. Et ne te détourne pas de ton semblable. Et bon, mon copain, sa moto, il a sa moninga, non, mon congoté. Quand il y a aussi beaucoup de bien, il faut partager aussi. C'est une façon aussi de gêner. Et la Bible dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Nous voulons que la gloire de l'Éternel Alors tu appelleras et, bon, voilà, pour yon, pour et l'Éternel répondra. Quand tu vas prier, ta prière sera exaucée. Il y a des fois qui prient, tu pries. Tu pries des jeunes qui jeûnent. Mais ta prière n'est pas exaucée. Je viens un peu comment tu jeûnes. Tu crieras et diras, mais voici. Alléluia. Amen. Si nous cherchons le Seigneur dans les jeunes, le Seigneur va se manifester. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions jeûner. Maintenant, nous entrons dans la nouvelle alliance. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il n'a pas commencé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé où? Il va partir dans les déserts. Pour faire quoi? Pour jeûner. Et prier. Donc il ne pouvait pas commencer son ministère sans passer par les jeûnes et prières. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Jésus a jeûné 40 jours. C'est pourquoi il y a aussi des jeûnes de 40 jours. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il y a d'autres gens qui veulent faire la taille. On passe à la télé. Hein. Donc ils vont dans des maisons parce qu'il y a où ils vont payer. Ils payent l'argent. Et là, kuna, ils vont, les gens qui sont les soins spécialisés, à ce qui concerne, je pense, les jeunes. Donc ils payent pour gêner. Mais toi, Dieu dit, gêne seulement gratuitement. Ça te fera aussi du bien pour la tête. Un homme, maman. Oui. Un homme, maman, le ventre. Hein? Oui. Attends, tiens pas. C'était, je ne me grippe pas, hein. Je ne me grippe pas. Nous, les frères. Parce que nous voulons, c'est ma semoule. Matin, c'est mon. 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 Même si tu n'es pas là, quand tu entres dans un magasin, tu peux voler. Tu ah, tu es dans un bon auto. Pourquoi tu as fait le magasin? Il est bien pour lui. Mais si
tu n'arrives pas à gêner. Le jour où tu vas manquer l'argent, tu vas entrer dans les magasins pour parce que tu n'es pas habitué à gêner. Amen. Amen. Donc gêner c'est important pour un enfant de Dieu. Pour ceux qui sont malades, non. Matthieu 15 à 18. Déjà, je vais conseiller les gars qu'on va faire. Celui qui a eu, il peut lire. Un lecteur. Matthieu 19, 15 à 18. Il leur imposa le maire et il partit de là. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, maître, que dois-je faire de bon pour avoir... Non. Matthieu 9, qu'est-ce que je vais dire ça? Matthieu 9. Matthieu 9, pardon, excusez-moi. C'est moi qui ai fait une erreur. Matthieu 9, je commence par le verset 14. Alors les disciples et les gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous? Tandis que tes disciples ne gênent point. Donc les disciples de Jésus ne gênaient pas. Les disciples de Jésus ne gênaient pas. Je vais vous expliquer après. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront. Dis à celui qui est à côté de toi, les jours viendront. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils gêneront. Amen. Amen. Voilà. On va étudier ce passage. Donc, les pharisiens étaient des gens qui gênaient. Les pharisiens, parce qu'on avait dit tantôt que les juifs gênaient. Mais Jésus va arriver. Bon, Jésus est arrivé. Lui-même va commencer par les chefs pendant qu'il est et après il va sélectionner les disciples. Mais il va dire à ses disciples, vous n'allez pas gêner pendant que moi je suis sur la terre. Kasi alobe ne bayekoni na tepi moko kila te tango na ngana sa mabele. Mais les pharisiens, pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste, na bayekoni ya Jean ya Yohane Baptiste. Et ils gênaient. Mais ils voyaient que les disciples de Jésus ne gênaient pas. Parce que monde était bayekoni Yesu masi alobe ko kila. Alors ils vont poser la question à Jésus. Bon, tout le monde. Nous on gêne. Les pharisiens gênent. Pourquoi tes disciples ne gênent pas? Jésus va leur dire, tant que l'époux est encore sur la terre, ils n'ont pas besoin de gêner. Parce que s'ils ont besoin de miracles, moi je suis là. S'ils ont besoin de guérison, moi je suis là. S'ils ont besoin du pain, je vais multiplier le pain. Mais il y aura un jour où je vais partir. Et en ce moment-là, ils vont commencer à gêner. Parce que je suis plus présent physiquement. Il faut qu'ils puissent commencer à gêner. Donc depuis que Jésus qui s'est mort, il est parti à la tour du Père. Nous, étant que chrétiens, nous avons besoin de faire quoi? Donc la personne qui ne gêne pas, désobéit à la parole de Dieu. Amen. Quand tu lis la Bible, tu verras que même Paul gênait. Quand tu lis la Bible, tu verras que les disciples gênaient. Et quand nous sommes dans l'état de jeunes frères, nous sommes dans l'état de jeunes frères. Ce moment, ce sont des moments où le Seigneur se manifeste puissamment. Et ça va être un moment où ce sont des moments où le Seigneur se manifeste puissamment. Le Seigneur nous souffre des yeux. Même dans les songes. On va voir beaucoup de choses. Et même que tu ne voyais pas avant. Quand tu es dans l'état des jeunes. Même les sorciers. Même les magiciens. Quand tu marches.
Donc, il y a une lumière. Il y a un feu. Il y a un feu. Tu vas devenir puissant. Mais quand tu vas commencer à prier, comment tu vas sentir que tu ne priais pas comme tu priais avant? C'est comment tu gênes vraiment avec sincérité. Tu fais un changement d'attitude. Alors le diable sait que si les enfants de Dieu gênent, ils auront la puissance. Les prières seront exaucées. Alors ils viennent dire. Et bon, moi, avec et toi, tu as le bon de tête. Ah, tika yo, bela kana mutu. Toi, tu ne peux pas gêner. Yo, koko kinate yo. C'est difficile. Koko kinaza pasi. Il y a beaucoup de gens qui commencent à 6h. Et ça, la bataille de Nisuka, banana, banana, 6h. Et à midi, comme ça. À midi. Il va être, je mange au travail. Je suis pas revenu à la moussana. Quand il mange, bah. Moi, on y est. Il change la figure que les gens puissent se battre avec moi. Pourquoi il y a mort? Pourquoi il mange pas aujourd'hui, hein? Allez, le noté. Demain, il vient encore. Le gars, il est sous. Ah, moto. Ah. Faut pas suivre vos pasteurs là. Master, lui, celui-là, il mange, hein? Il y a Kouna, il y a Kouna. Lui, il mange, il mange. Il y a Kouna, il y a Kouna. Tu vas dire, ah oui, hein? Il faut faire de la vie, il a son. Il faut faire de la vie, il a son compte. Ce qu'il mange, c'est la famille qui l'a eu. Ah, c'est la chair. Ça, c'est la chair. On les a moussouni. La chair n'aime pas gêner. Moussouni, il n'a pas qu'il a été. Tout cela, nous sommes concernés. Bissonio, c'est ça la vie sur le Cambodge. Il y en a déjà d'autres gens, ils vont prendre la soupe et dire bon, c'est ça, bon, j'ai pas mangé, hein. Mais quand tu es obéissant, le Seigneur fera des grandes choses. Moi, je vous assure, à chaque fois que nous avons des jeunes, il y a un ou deux miracles. Et Vous savez, quand nous gênons, nous disciplinons notre corps. Oui, mais c'est quand on te quitte la carte, ça qu'on pèse ça. On les a dit bon, on va tous s'en sortir dans la vie. Tu vas devenir discipliné en toi-même. On va commencer à tous s'en sortir. Tu vas commencer à assujettir le désir qui est en toi. Qu'on y a tous les apports ces actes n'ayons. Mais quand nous sommes des chrétiens charnels, tu vas aller quand Christ sera soigné. Et quand tu gênes, il faut prier. Bon, quand on va s'en sortir, bon Dieu, bon Dieu. On a dit gêne et ton opinion dit qu'on quitte après qu'on bondit là. Tu gênes et tu pries. Okili pour bondeli. Tu gênes et tu pries. Okili au bondeli. Si tu es, tu travailles. Même à midi, quand les gens vont manger, toi tu vas prier. Et okili au bondeli. Tu n'as rien à faire. C'est la pause. Exactement. Si un gel, le temps que le mange, toi tu es là. Vous parlez. Au lobby, pour le bignon. Et tu manges, toi tu manges pas. Mais vous parlez avec eux. Non, il faut. Avoir un temps de prier. Avoir un temps de lire la Bible. Et tu verras que tu vas devenir fort. Pour finir, frère. Nous tendons vers l'an 2015. Vois un peu depuis que tu t'es converti. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour le Seigneur? Et des fois, tu as envie de servir Jésus. Mais tu tombes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas habitué à gêner. Si tu arrives à gêner, tu vas arriver aussi à surmonter d'autres tentations. C'est pourquoi il faut que nous puissions gêner. Et que nous puissions aussi gêner. Et on a dit, la semaine qui va commencer, nous serons là tous les jours.
18h30 à 19h30. On priait pour gêner. Et dans les gènes, il y a des démons, il y a des esprits qui résistent là, ils vont sauter. Et quand nous sommes dans les jeunes et prières, quand on dit prier, il faut prier. Parce que quand on prie, les esprits sortent. Et quand toi tu ouvres tes yeux, tu es en train de regarder. Quand toi tu ouvres tes yeux, c'est toi qui seras perdant. C'est pourquoi nous voulons maintenant prier. Je ne veux pas que nous puissions prier avec lourdeur. Limite ton bon de la kilo. Le dimanche, on finit les jeûnes après la prière. Donc après la prière, on va manger et le lundi, nous commençons les 6h. Si il y a un problème, que tu veux que les gens puissent se séparer. Mais c'est dans ces temps de chercher l'éternel. Mais c'est ça la tango de Et quand tu pries avec détermination, quand tu jeûnes, c'est ainsi que le Seigneur va te donner la solution. Si et seulement si tu fais les gènes que Dieu prend plaisir. Ce qui est là, c'est que tu as un peu de temps. Qui toi, c'est là? Non, ça qu'on dit. Frère, nous ne voulons pas que l'an 2015 que nous soyons des médiums. Nous ne voulons pas que l'an 2015 que nous puissions être des chrétiens là comme ça, comme ça. Non. Nous voulons que l'an 2015 que nous puissions être des chrétiens puissants. Quand tu parles, nous voulons que l'on se soucie à Dieu. Quand tu pries, les païens disent que l'on j'ai besoin que tu puisses prier pour moi. Quand tu parles, les païens disent que l'on c'est là et il fera avec nous. Quand tu parles, les païens disent que l'on c'est là et il fera avec nous. Nous voulons monter. Moïse était à la montagne. Et il avait la gloire de Dieu. Avec la puissance. Si il y a des malades, quand ils touchent les malades, ils sont perdus. Si il y a des problèmes, quand ils parlent, il y a la solution. Parce que le renflement, c'est une musique désagréable. Même les musiciens, quand vous chantez, ne ronflez pas. Si vous êtes des gens qui jeûnent et prient, quand vous chantez, même les gens qui sont là, vous êtes touchés. Ça sera pas des ronflements, mais ça sera des mélodies qui vont amener même l'église à entrer dans la adoration. On n'a plus besoin de forcer. C'est une action du Saint-Esprit. Quand tu entres à l'église, tu sens que tu es dans la maison de ton Dieu. Quand nous
Il venait pour flaguer. Un jour, il est venu pour modérer. Et il modérait, il critiquait le pasteur. Il est venu comme ça. Il est venu comme ça. Il est venu comme ça. Je vois plus. Les gens qui étaient allés chez moi. Je ne vais pas citer les noms. Et on a prié pour lui. Et il a commencé à voir. Et à mon acquis. Donc quand nous venons devant le Seigneur, ne viens pas comme des blagues comme ça. Quand on te voit quelque chose, mais quand on voit le Seigneur, qui n'a pas un problème ici? Non, ça n'a ni tambouté ni que ça vient. Qui n'a pas un problème? Non, ça n'a ni tambouté. Parce que tu as une voiture. Vous avez une femme. Tu as une femme. Vous avez moi aussi. Tu as les enfants. Vous avez ben. Tu as un travail. Vous avez moi ça. Donc tu n'as pas un problème. Vous avez ni tambouté. Mais spirituellement parlant. Quand on a mon limo. Donc tu as besoin de chercher le Seigneur. Ne dis pas que non, nous les chrétiens, nous sommes seulement les chrétiens qui vont à l'église après c'est tout. Nous ne voulons pas des chrétiens. Nous voulons des chrétiens qui sont motivés. Les chrétiens qui sont chauds. Les chrétiens qui influencent le monde. Amen. Voilà, je vais vous amener à la vérité. Amen. Non. Non, la vérité qui tombe à mon niveau.
Tu vas aller passer.
Il y a quelque chose qui se passe.